le dernier jour de Qigong Yangchen à cet endroit. Voilà, je suis trop loin là. Non, je ne vais pas loin du tout parce que à cause du bruit du vent. Tu es pas sur le... Eh bien, nous voilà sur une dernière séance au Parc de la Trinité. Donc, il y a toujours un petit peu d'émotion dans les dernières, mais il y a surtout beaucoup de gratitude. Donc, je vous remercie à vous d'être ici et surtout, je remercie à toutes les personnes qui sont venues depuis 10 ans à ce Parc de la Trinité. Et avant que j'allais au Jardin Bêta. Voilà, donc, on va placer cette séance sous le signe de la gratitude. D'habitude du bien-être, donc on va faire une belle séance structurée avec automassage, déblocage articulaire et puis des séries et des mouvements. Et on finira par les chaînes et puis ça fera la fin de la fin finale. Bon, la fin finale, c'est pas une vraie fin finale parce que je serai à la Saline, c'est-à-dire à quelques kilomètres d'ici, et on se revoit. Ciao, ciao. Bonjour, un petit témoignage pour Brigitte. Par rapport au cours de Qigong, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre au début. J'ai pris des séances individuelles et j'ai rejoint le groupe cette année. Et c'est un vrai moment de partage, de plaisir, de bien-être. Essayez, c'est l'adopter. Merci Martine. Eh bien, moi je voulais remercier Brigitte pour tout ce qu'elle m'a apporté depuis toutes ces années. Je dirais 20, 20 ans bientôt. Bien-être avec le Qigong et puis aussi il faut que vous découvriez son massage qui est merveilleux. Il m'a fallu dépasser mes 60 ans pour connaître un si bon massage. N'hésitez pas, contactez-le, faites-vous masser et continuez tout ce Qigong, c'est un vrai bonheur. Massage Twina, merci Brigitte. Parce que tous nos mouvements étaient caressés par le vent. Très beau moment. Merci à toi. Merci Annick. Et puis rassurez-vous, on se retrouve dans l'Ouest, on se retrouve ici. On va continuer, ça c'est sûr. Et puis on se retrouve aussi en vidéo. Merci.